Allez, début du jeu. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué. Ça va être, je pense, un peu particulier entre bah, mes souvenirs, ce que vraiment je me souviens, etc. Et enfin, vraiment le jeu en lui-même. Je ne sais pas si c'est vraiment une version améliorée de la version PS1. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. Déjà, je me souvenais plus de ça. Ah, ça commence bien. Ouais, Nobuo Uematsu pour les musiques. Vraiment de très belles musiques, donc ça va être cool. On n'y voit rien ici. Y a quelqu'un? Ok, toutes les commandes. Bon, rien d'extraordinaire. Allumer la bougie au centre de la pièce. Ah, de l'argent. Une petite potion. Alors. Bon, on va allumer. Ah, coucou Flo. J'ai hésité à rester dans le noir, mais je crois que je n'aurais pas pu avancer dans le bleu, donc ça aurait été un peu triste. Bah, je vais laisser Jiden. Ouais, franchement, je me demandais en fait s'ils avaient un petit peu remanié ou pas, mais j'ai pas spécialement l'impression. Oh, Jiden, tu es encore en retard. Désolé, le chef est arrivé? Non, pas encore. Ah. Youpi. Ah, la musique. Trop, trop bien. Alors, donc la jauge ATB, d'accord. Vous pouvez utiliser X pour sélectionner les personnages dont la jauge ATB est pleine, d'accord. Donc pour switcher. Alors. Ah, bah allez, hein, c'est parti.
Déjà, non mais vraiment. Ok, voler une potion. J'ai déjà un mort. Non, ouais, c'était obligatoire qu'il mourrait, lui, c'est pas possible quoi. J'avais. Peut-être en défense. Trop faible. Bon. Bon, normalement, je peux pas le voler deux fois. Hein, donc, j'ai accès à quoi d'autres objets, donc mes pouces. Oh, j'ai quand même pas mal de choses. C'est quoi ça, change? Changer. Ah d'accord, il passe en position de défense, je pense. Donc c'est Marcus. Ah mince. J'ai l'impression que c'est switcher pour se mettre à l'arrière pour prendre moins de dégâts. On testera un peu plus tard. Vérifier si ma théorie est bonne. Ah, misérable. Ouais, ils ont l'air d'être quand même bien mal en point. Et effectivement, Sina est complètement KO. Donc c'est clairement prévisible. Alors, c'est vous qui avez fait des progrès. Non, c'est ce que vous avez fait des progrès. Voilà. Ok. Allez tous en réunion. D'accord, débrief. Voilà le plan pour aujourd'hui. On va à Alexandrie. Et l'objectif de la bande des Tantalas est d'enlever la princesse Grena. Bon, je vous explique. Ah, il a l'air d'être bien au courant quand même. Nous allons bientôt arriver à Alexandrie. Une fois qu'on aura Kiteri, on fera comme si rien n'était. Et on leur aura la fameuse pièce « Je veux être ton noisillon ». Marcus, on compte sur toi, tu as le rôle principal. Je ferai de mon mieux, mais Frank et Jidan sont les vrais héros de cet enlèvement. À l'entraque, je lâche ça sur les spectateurs. Je tiens à dire que j'aime pas Sébastien, donc je sais pas trop il parle, mais... Mais bon, je ferai avec. Et c'est là que t'interviens, Jidan. J'ai pigé pendant ce temps-là, j'enlève la reine Branette, j'enlève la princesse Grena. Allez. J'enlève la reine Branette. Exactement. Notre cible, c'est l'abominable et énorme Branette. Je blague. Bah... C'est pas comme s'il y avait le choix. Exactement. Notre cible, c'est la belle princesse de... Pardon. C'est la plus belle princesse de l'histoire d'Alexandrie, la belle Grena. Donc pour un seul qui ressemble à une petite poupée. Donc... Allez, une cinématique. Oh, Bibi. Ah ouais, c'est... Ça impose quand même comme ship. passe pas trop inaperçu, hein. Quand même, pour un enlèvement, je trouve que... Voilà. Il y a plus discret, quoi. Les temps de chargement sont quand même un petit peu longs, je sais pas si... Si c'était comme ça sur PS1, je me souviens plus. Ah chouette, je jouais Bibi. Alexandrie. Ça va? Tiens, ton billet. Au revoir. Une enfant bien élevée. Je peux passer par là? Ah ouais, c'est par là. Ok. D'accord. Alors. Ah. À ce moment-là du jour, on ne sait pas qu'il s'appelle Bibi. Ah, ça doit être sa position.
Ok. Carte. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un jeu de cartes aussi. Il y avait un fameux jeu de cartes. Alors, dans équipement, il y a quoi? Ok. Bon. Et les objets, j'ai les mêmes que... Ouais, j'ai l'impression que c'est les objets pour tout le monde, donc c'est très bien. Bon, Ok, je peux courir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le devoir des nobles de venir au théâtre d'Alexandrie tous les ans. Pour jouer aux cartes, il faut au moins 5. D'accord, mais j'ai pas de cartes. Donc je peux jouer avec tous les gens qui sont grâce et cool. Tu n'es pas un enfant de la rue, mais tu n'es pas non plus de notre monde. Bah, tu en sais quand même pas mal, monsieur, là. Juste en me regardant. Je ne supporte pas ces enfants des villes. Soldat d'Alexandrie, par ici, vous sortez de la ville. Et j'ai le droit de sortir de la ville? Non. Je veux pas que je sorte. C'est dangereux de sortir tout seul. Ok. Nous autres, les citadins, on ne peut voir la pièce que depuis les tours. Les nobles des nobles, d'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des choses planquées? Pourquoi ça fait un point de... Ah, ben voilà. Effectivement, il y a des petites feintes. Et là, c'est quoi? C'est pas un chemin? Non? Un point d'exclamation là. Alors, carte zombie. D'accord, donc j'ai déjà deux cartes. Ah ouais, je me souviens plus trop comment ça marche par contre. Bon, on verra en temps voulu. La musique est trop bien. Hourra! D'accord, ok. Et je peux refuser. Alors, grand-mère, voilà, j'ai bientôt fini. Oula, mamie, c'est moi. La robe est pas prête, va voir ailleurs si j'y suis. C'est tous les ans la même chose, ma petite fille va être belle et c'est tout ce qui compte. Eh ben. Ah, il y a des choses planquées sous le lit. Je fais comme chez moi, bien évidemment. Je raquette les grands-mères. Alors, tac, tac, tac. Il y a aussi quelque chose dans le meuble. Ah, une carte. On va pas de scrupules. Ah, c'est abusé, on trouve trop plein de trucs. Là, ça parle avec... Ah non, c'est Skype, ok. Ah, mais je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose. Ça fait mal à la tête ce dessin. Magique quand même, mais bizarre. Ah non. Tu vois pas que tu gênes? Bon, ça suffit pour aujourd'hui, il faut encore que je me prépare pour aller au théâtre. Ça a l'air d'être vraiment... Et des potions partout qui traînent. Alors. Honorable visiteur de traîneau, le château d'Alexandrie est par ici. Taverne. Bon, on va aller faire un tour. Ah, oui, il y a des trucs qui traînent, évidemment. Carte flambe. Okay. Et de l'argent. Quand je serai la patronne, je ferai réparer cet escalier. D'accord.
La journée va être longue, mais bon, ça sera la dernière. Ah. Trouve déjà 5 cartes. Je trouve à 5 cartes? Je croyais. Ah non, j'en ai d'autres. Je pensais aller voir la pièce, mais cette idée me donne le temps. Ils ont pas l'air tous. Va falloir être courageuse. Je sais pas ce qu'ils trament, mais. Enfin, je m'en souviens plus surtout. Mais ça sent pas bon. Où suis-je? Allez. Carte gobelin. Ah, cette fois. Cette fois, j'ai cette carte. Les nobs sont vraiment super. T'es sûr de toi aux cartes? Allez. Alors avant tout, il faut choisir 5 cartes que vous allez utiliser pour jouer. C'est pas comme si j'avais faim. Alors, la partie commence. Quand vous posez une carte sur le tapis, toutes les cartes de l'adversaire faisant face à l'un des triangles peuvent obtenir les... peuvent devenir les vôtres. D'accord. En gros, au mieux, je vais mettre là. Les flèches sont vers le bas. Ah. Quand vous avez posé toutes vos cartes, la partie est terminée. Le vainqueur est celui qui a le plus de cartes sur le tapis. D'accord, bon après il y a des valeurs sur les cartes, alors qu'est-ce que ça veut dire? On va la poser là. Parce que lui il est à 0M10, moi je fais M. Enfin à 0M00. Je pense bon. Si je fais ça, hein, ça donne pas. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, comme ça. Ok. Perdu. D'accord. Vous avez moins de 5 cartes, là. Alors, ils disent pas les caractéristiques des cartes, qu'est-ce que c'est? Non. Il faudrait avoir plus d'infos. On va considérer que c'est les lettres de l'alphabet, donc plus t'es, enfin, plus t'es proche de A, plus c'est fort. Je me souviens plus. Alors, t'as une place pour la représentation de ce soir. Il faut que tu passes à la caisse pour la, sur la place. S'il ne tamponne pas ton billet, tu ne pourras pas rentrer au château. Ce qui est dommage. D'accord. Bonjour. Ok. Vas-y, je vais le checker. Ce que j'ai acheté. Ok, donc j'ai 500. Ouais, on va acheter un antidote, hein, ça coûte rien. On sait jamais. Ah. Ok, un peu d'argent. Et allez. Tu veux jouer? Ben ouais, moi aussi. Ah oui, d'accord. Reviens jouer quand tu veux. Ok. Ah, vraiment? Ok, j'ai pas le choix. Mais ça marche pas du tout. Bon.
Pas grave. Allez. Ah. Quoi, vous n'avez plus de chambre? Je suis vraiment désolée. Mais c'est impossible. J'en avais pourtant réservé une. Les gens de la ville me font peur. Il n'y a rien sur ce... Non. Ok, rien derrière le canapé, non, rien. Dommage. Alors. Ah. Quelque chose à... Résurrex. C'est quoi? Objet. D'accord, ok. C'est logique, mais je m'attendais plus à quelque chose du style que de Phoenix, alors... si tu as oublié, va le faire tamponner. Ok. Et la demoiselle aussi, ce qu'elle dit. Une entrée est réservée aux nobles, personne n'ayant un billet. Personne ne trouvera mes trois cartes fétiches. Je pense qu'on joue contre lui, on peut deviner qu'est-ce que c'est. D'accord. Les fleurs d'Alexandrie sont vraiment très belles. Youpi. Toi aussi tu aimes les fleurs? Qui veut mes fleurs? Elles sont belles et pas chères. Ouais, tu les vends pas. Je vais être ton oisillon. L'œuf qui enchantera le bon plat de Lindblom est de retour à Alexandrie au bord du Prispa Vest. Pour plus de renseignements, ça va adresser à la caisse. Ok. Voilà. Alors. Je m'approche de la caisse. Qu'est-ce que tu veux? Allez, parle-moi d'Alexandrie. Depuis que la reine Branette règne, il fait bon vivre à Alexandrie. C'est quoi la pièce d'aujourd'hui? Cette année, on donne Je veux être ton oisillon. La pièce est jouée par la troupe des Tantas. Ok, super. Tiens, il est bizarre ce billet. Mais c'est un faux. Il y en a plein en ce moment. Oh non! C'est pas si grave que ça, je comprends que tu sois déçu, mais bah quand même. Tiens, c'est pour toi pour te consoler. Une carte. Enfin, des cartes. D'accord, ok. Va voir Jacques dans la ruelle. Pourquoi ça va me consoler du coup? Je peux pas voir la scène du théâtre, donc on me donne de quoi m'occuper en attendant. Ah, l'armerie. Quelle épée je vais prendre? J'hésite. Ah oui, d'accord. Ah. Ce soir, j'emmène ma femme au théâtre, alors on ferme plus tôt que d'habitude. Bon, ils sont pas ouverts. Mais laisse traîner des trucs, alors. Papa gilet. Lâche. Allez, on essaie de jouer au cœur. Ça va être une horreur.
Alors, Gobelin a l'air bien. Allez. Allez, je vais essayer ça. Je sais pas si je devrais plutôt me mettre au milieu ou pas. Donc ça, genre, c'est... Ah ouais, d'accord. J'ai pas trop le choix parce que si je récupère une carte, mais je vais mieux signer. Bon, très bien, il commence, ça change un peu. Donc là. Ça m'a l'air là, je suis pas sûre que ça passe. Allez, j'essaie. Il ah, faut que je sélectionne. Ouais, pour rien faire. Youpi. Je pense avoir compris un peu le principe. Ah d'accord, donc celles qui sont bleues, après j'ai le droit de choisir celles que je... D'accord. Je sais pas, le 1 et 10, je pense. Si ma théorie est bonne. Non. Enfin. Ah. Alors. On va jouer avec d'autres personnes pour moi. T'as les 9 qui sont là. Bah, allons-y. Alors. Oui.
C'est compliqué là. J'ai fait n'importe quoi. Parce que là, à mon avis, je passe pas. Si ma théorie est... Si c'est ce que je pense, ça marche pas. Hein? Non, alors je comprends pas ces nombres de points là. Je voudrais pas avec une autre. L'âme des cartes. Non, mais en vrai, je sais pas comment ça marche là, les points, les valeurs qu'il y a sur les cartes quand il y a un combat. J'ai pas réussi à trouver voilà 0P 00 ou 0M 00. Parce que je pensais que plus la valeur était haute, mieux c'était. Et ma carte 0M 00 a gagné une carte 0M 10 par exemple. Donc je comprends. Tiens, on va prendre celle-ci. En plus, c'est très chiant parce que y a que moi qui commence. Je déteste commencer là, surtout que enfin, c'est vraiment la merde hein, quand on commence à jouer. Un avantage en attaquant. Ouais, bah c'est l'analyse que j'en fais, mais alors c'est quoi exactement? C'est quoi la valeur? Je sais pas, tu vois. Ah bah non. Bah là, je sais pas pourquoi je l'ai perdue celle-ci, parce qu'elles ont la même valeur et j'étais en train d'attaquer, tu vois. Là, c'est mystère, quoi. Et là, c'est un peu la merde, peut-être comme ça. Mais, putain, je peux rien en faire de cette carte. Si je la mets là, je bloque ce chemin. Voilà. Mais ouais, j'ai pas compris du coup parce que mon sorte de gobelin et une sorte de sanglier, enfin le gobelin était plus fort a priori que le sanglier si j'étais en train d'attaquer. Alors je comprends pas pourquoi j'ai perdu. Tiens, lui, je l'ai pas. Allez. Non. Question. Bon, allez, c'est des cartes là. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je trouve. Jacques dans une ruelle sombre. Allez. Ah. Ok, d'accord. Bon. Ah, c'est pas vrai, cette ancienne ne tient jamais. Vous
Voilà, ça devrait tenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, tous les jours, il y a son enseigne qui se casse la gueule, il la remet, et voilà. Ah, mais c'est... C'est le souriceau qui m'a fait tomber là, au début du jeu. Hé, hey, toi, ton billet, c'était un faux, pas vrai? Je l'ai vu, c'était un faux, c'est pas vrai, c'est toi, Jack. Allez, on va à l'essentiel. Non, je suis pas un voleur, moi. Mais c'est pas le problème. Si tu deviens mon serviteur, je te montrerai comment voir la pièce de ce soir. Je veux bien devenir... tu veux bien devenir mon serviteur, d'accord? Non. Je sais pas, en vrai, hein. Allez. Très bien, alors tu dois m'obéir. Oulala. Va surveiller le bout de la rue. Quelqu'un vient? Bah... Non. Allez, on suit le plan. Mais quel plan? Il m'a rien dit. Ah mais... Excuse-moi, mais c'est toi, Monsieur Jack? Comment tu sais ça, toi? Ah ouais, d'accord, carrément. Au pif. Si tu m'appelles Jack, c'est que tu veux jouer aux cartes, c'est ça. Quoi, tu connais pas les règles? Ah, tu veux que je t'explique? Oui, ça serait pas mal. Pourquoi pas? J'ai réglé toutes mes affaires de la journée. Allez, viens. Un petit cours, ça serait pas mal. D'abord, le manuel du débutant. Pour jouer aux cartes, tu dois en avoir au moins 5. Ça va. Tu peux jouer avec n'importe qui. T'as qu'à parler aux gens en appuyant sur Y. Ça, d'accord. Mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas aux cartes. Okay. Bon, c'est quoi les règles? Bon, maintenant, je t'explique comment se déroule une partie. Les joueurs posent leurs cartes sur le tableau de 4x4 cases. Parfois, la carte d'un joueur passe à l'adversaire. Tout le secret est dans les triangles jaunes. Quand un triangle pointe vers une carte adverse et qu'elle change de couleur, elle est aussitôt à toi. Si tu poses une carte de telle façon que l'un des triangles se trouve en face de celui d'une carte de ton adversaire, il y a bataille. Donc, les batailles. Il y a autant de batailles que de triangles qui se font face. D'accord. Ah, bienvenue BBQ. Dans ce genre de situation, tu peux choisir la carte qui participera à la première bataille. Salut, ça va? Ça fait longtemps. Alors, ton avantage sur la partie dépend de tes choix. Bon, ça me dit toujours pas la valeur des cartes. Ah bah ça va, ça va. Du coup, je rejoue à Final Fantasy IX, j'avais joué il y a... J'allais dire 20 ans. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Donc je me souviens de quasiment rien. Par contre, j'ai jamais fini le jeu, donc je me suis dit que c'est l'occasion. Voilà, pour la petite histoire. Alors, maintenant, il va m'expliquer les combos. Bon, ça ne me dit toujours pas les valeurs des cartes. Allez, on passe au manuel du technicien. Il faut surtout faire attention quand il y a une bataille. Si ta carte bat celle de ton adversaire, tu gagnes toutes les cartes qui sont en face de chaque triangle. Bon, ça, j'avais remarqué. Ok, bon, ça, c'est quand on perd, on peut récupérer... Enfin, l'autre récupère nos cartes. Bonne chance pour le sans-faute. Ok, donc... Quand tu gagnes, tu prends une carte à un adversaire, mais si toutes les cartes du tapis sont à toi, c'est un sans faute et tu prends ces 5 cartes. Ouf. C'est violent. C'est quoi un niveau? Alors, quand tu auras le temps, on va voir la rubrique carte de menu. T'as un truc appelé niveau. Plus t'as de cartes, plus il est élevé, c'est aussi simple que ça. Ah non, je sais pas comment s'appelle le dernier niveau. On fait une partie où tu veux jouer. J'ai un peu peur. Est-ce que je fais bien de jouer contre le maître, en fait? Je vais me faire laminer. Je vais prendre cher. Allez, au pif. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à droite? Ouais, à gauche aussi. Ou à droite?
Ah, j'ai une carte qui est juste full gratuite, avec aucun triangle. J'hésite à mettre celle-ci, mais c'est un peu limite en fait. Allez, on va mettre celle-ci. Oui. Enfin non, en vrai, mais oui. Comment il commence? Donc, moi, ce que je peux faire, c'est éventuellement mettre ça. Comme ça, je suis protégée par le bas. Indice, ton gobelin peut faire des bordels. Bah ouais, mais le problème, c'est que si je le mets au milieu, enfin, juste à la case en diagonale, c'est pas le bon endroit, quoi. Moi, je mettrais lui, là. Genre ici. Comme ça, je récupère la carte du haut et je suis protégée en dessous. Je me recapture à chaque fois. Genre, ce que tu me proposes, c'est ça ici. Ah oui, effectivement, parce que ça fait des liens. Allez, on va essayer. Et tu vois, déjà, je l'ai perdu. Bon, alors. Là, il faut que j'ai ça. Ça a piqué en fait. Donc en fait, ok, donc là je suis obligée d'en poser un. Ça m'a tiré. Failli faire un sans faute. Dommage. Bon, alors j'ai le choix. Je sais pas, je sais toujours pas ce que ça veut dire les valeurs sur les cartes, donc c'est un peu chiant en fait. Peut-être lui. Il a beaucoup d'ouverture. Dommage que j'arrive pas à comparer avec celle que j'ai déjà. Lui, on a deux. Peut-être celle-là, parce que la mienne, elle a que en haut et en bas, et je trouve que c'est limité. En fait, tu mets le gobelin entouré de cases paires comme ça, t'es sûr de pouvoir le recapturer une fois et de choper toutes les cartes autour. Ouais. C'est ce que justement j'étais en train de compter pour savoir si jamais il m'était autour et ben si j'allais pouvoir renchérir derrière ou si ça allait être lui le dernier à pouvoir mettre sa carte. Donc je vais prendre celle-ci. Allez. Non, ça ira. Non, ouais, bon, c'est un peu chiant parce que je sais toujours pas la valeur sur les cartes ce que ça veut. Ailleurs, on m'appelle autrement, mais ce sont toujours des faux noms. Mon vrai nom, ah, je te le dirai quand tu seras plus fort. Ok. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais il y avait le plan. J'ai laissé le Sourguisseau se débrouiller tout seul. Tant pis. Faisait tout ça pour moi et en fait j'ai laissé tomber. Alors. Et par ici.
Dépêche-toi. Non, mais ça va là. Avec la population. Rendez-vous au clocher au coucher du soleil. Nous indiquerons les bons points de vue. D'accord. D'accord, j'ai déjà essayé l'année dernière, mais il y avait des soldats partout. Donc par la mer, c'est pas le bon plan. Alors les bateaux d'aujourd'hui volent grâce à la brume. Attention, faut compter les cartes où il y a un triangle. Mais un bateau, c'est fait pour aller sur... J'ai perdu mon petit chat. Si tu le vois, tu me préviens. Bah oui. Ça se trouve, il est là-haut sans clocher. Je me souviens plus du tout. Alors, du coup, c'est par là. Maintenant, il faut aller là-haut. Monte devant. Il y a un piège. Potion. Bah, si. Dépêche. Ok, je vais me dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oh, il y a un mug. C'est Kubo le mug. Kubo. C'est mon premier serviteur. Il faudra bien vous entendre. Bonjour. Pour m'excuser, je vais écrire ton histoire dans le livre des mugs. Si tu veux faire une sauvegarde, parle à un mug Kubo. Et si tu as une tente, nous pouvons aussi te régénérer. J'ai compris. Ok, je pense que nous nous entendrons bien. Bon, on monte. Bah... Dépêche-toi, monte. Ok. Bon. Oula, oula. Steel Skin. Mais tu... Tu repars, Kubo? Oui, et ce voyage risque d'être plus long que les autres. Tu vas me manquer, Kubo. Ok. Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. Dakubo. D'accord. Toutes les phrases finissent par Kubo. À bientôt. Tu salueras... Mokta et tous ceux du château de ma part. Ok. Garçon au chapeau pointu, c'est un ami à toi? C'est comme ça qu'il l'appelle, c'est trop marrant. C'est un ami voyageur. Ok. Puis non, on est en train de discuter tranquillement en bas. Tu veux faire une sauvegarde? Ah oui. Alors, sauvegarde. Sauvegarder. Allez, on sauvegarde. Ah oui, il y avait cette cinématique. Genre comme pour les places dans la PlayStation, quoi. C'est... Ok. C'est quoi Mock Post? Je vais t'expliquer Kubo la Mock Post. La Mock Post, c'est un réseau de communication... C'est un réseau de communication par courrier entre mugs. Par exemple, grâce à cet excellent système, un mug peut envoyer une lettre d'amour à sa copine mug et elle peut à son tour lui répondre « Je suis désolée, mais d'accord, super optimiste. » Mais en ce moment, il y a de moins en moins de mug facteurs. Alors, je voudrais te confier ma lettre. Bah allez. Allez. Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Ok. À Moglière. Et là, si je mets là... Okay, bon. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-haut. Si on se dépêche pas, on va rater le début de la pièce. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. Et t'as pas le vertige quand même. T'inquiète pas, il suffit de penser que c'est pas où.
Allez, on n'a pas le temps de se reposer. Quoi encore? Je te dis que c'est bon, c'est solide, ça sombrera pas. Chant, il y a deux planches en bois. Ah, super. Super. C'est rien, fais pas attention. Ok. Au fait, je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais. Bah oui, on va laisser Bibi. Environ 9 ans. Bibi, c'est marrant comme nom. Moi, c'est Puck. Non, je peux pas aller là. Non, je voulais visiter les autres toits. Oui. Oui. Ah. De l'argent. Très bien. Ok. On est enfin arrivé. Allez. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. C'est l'air d'être la fin quand même, non? Ah non, la reine est vraiment très bizarre. Ça sent la joie de vivre, hein? Mes chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très loin passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus sont au point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir du château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Léa. La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi Léa. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grena, noble assistance, et vous qui regardiez du haut des toits, je vous demande d'applaudir bien fort. Enfin, très fort. Oula. Il a tué son père et sa mère, et à présent, il veut briser son amour. Ah, quel malheureux, pauvre Marcus, quel espoir te tiendra à vie à présent? Pour notre ami, nos lames auront-elles raison de semer ses crânes? Ça va super vite. Allez. Nous voici, compagnons. Laissez-le-moi. C'est impossible. Il a assassiné mes frères. N'approchez pas, misérable vaurien. Nul ne résiste à ma vaillante épée. Ceux qui l'affrontent disparaissent dans les ténèbres. Roi Léa voit la douleur qu'habite le cœur de mon ami et reçoit sa souffrance.
Alors. Quoi, ça sert de faire illusion, mais voilà, ça fait un peu de. Donc j'ai l'impression qu'il se passe rien du tout, donc il va falloir que je finisse le combat. Donc là depuis tout à l'heure je fais des faux brisiers, je pense pas que ça amène à quoi que ce soit, donc on va aller attaquer maintenant parce que. Ok. Très bien. Bah, on a défait les rois. Jamais tu n'auras mon pardon, Marcus. Arrête. Pourquoi m'arrêtes-tu, Franck? Zidane reprend 3. Si la princesse Cordelia épouse le prince Schneider, nos deux royaumes vivront enfin en paix. Cesse tes plaisanteries, il n'y aura pas de situation plus malheureuse de par le monde. Ah, j'entends de loin la petite musique là. Alors. Alors, puisque c'est ainsi, nous battrons. Je n'en attendais pas moins. Donc là, je sens que ça va être pénible. Ok. Alors, appuyez sur celui que vous indique Franck. Okay. Concentration extrême. J'espère que ça finit un jour. Ah, je déteste ces moments-là. Franchement. Ah merde. Ah bon, ça va, j'ai fait une faute. Soixante-neuf ou après, c'est tout. Franchement. La reine Branette n'a pas aimé. Bah oui, on refait.
Merde, c'est X. On arrive à combien là? C'est pire qu'avant. De foutre. Ah, ça va. Non, je pense qu'en fait le problème c'est que je vais pas assez vite. C'est une catastrophe. C'est cata. Mince. Non, toujours pas. Je pense que plus je vais le faire, plus ce sera pire. Voilà. Au contraire, faut tout faire bien, quitte à prendre un peu plus de temps. D'accord, okay. Bah on va essayer, on va voir. Ouais, parce que je fais de pire en pire. Hein, donc, Et bah alors, c'est parti. On prend un peu plus de temps et on fait mieux. Mais la reine, elle apprécie toujours pas, donc on s'en fout. C'est pas possible qu'elle aime ou je me souviens plus. Parce que là, c'est pensé être pas mal, 80. Allez. Faut pas faire d'erreur. Mais j'ai pas fait d'erreur. Ah là j'en ai fait une. Ah là 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 là. Non mais la fois d'avant j'en avais pas fait. Saleté de Y. Pour moi qui maîtrisais pas trop bien les touches de la manette, là c'est bon. Je commence à bien maîtriser. Allez, une dernière. Reine Brenet t'as pas apprécié, je sais, je sais. Dernière et après sinon tant pis. Au pire, on me ferait fusiller. Ah putain, je suis partie en retard. Bon. On en fera un autre après celui-là. Faut y arriver. Ça m'énerve.
Mais ça fait quoi si je fais n'importe quoi? Ok. Ah, ça avance pas. Je suis obligée de faire le... Je pensais pouvoir avancer plus vite, mais pas du tout. Je suis obligée... Allez, dernière. Là, j'ai pas fait d'erreur. Donc, bon. Ah, ok. Bon. Nickel. Non, non, c'est bon, ça suffit, là. Et j'ai plein de thunes. Voilà. Au moins. Ah. D'accord, donc sans casque, comme ça on le reconnaîtra pas, hein. C'est pas comme s'il était devant la scène tout à l'heure. Et puis l'armure est trop petite, youpi. Il y a un truc qui me gêne dans le dos. Les bottes sont trempées de transpiration. Les gants sont poisseux. Bon bah, y a rien qui va quoi. Ça va, j'ai compris. T'as pas oublié ce qu'on devait apporter? Bien sûr que non, pour qui tu me prends? Ah bah, c'est une espèce de cafard bizarre. Ok, je vais mettre le somnifère dans la tasse de la princesse. Et moi, je vais... Ah, j'ai pas fini. Ah là là. Ils dorment comme des bébés. Ok, château d'Alexandrie. Bah, tout va bien. On fait le point. La loge royale est en haut de cet escalier. J'ai compris. Ils en sont bientôt à la scène où Marcus introduit chez Cornelia. Le travail doit être terminé avant la fin de la pièce. Genre il y a un timer, j'avoue que je me souviens. Ah, ok. Il n'y a rien d'autre à leur voler ici. Non. Dommage. Allez. Quelque chose à signaler? Non, tout est normal. Très bien, continuez votre ronde. T'as l'air d'être une chelou quand même. À vos ordres. D'accord. Bon, je peux pas aller ni à droite ni à gauche. Bon, allez. Oui. Très bien. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce déguisement? Jeune fille en blanc. Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me laisser passer? Ah, j'ai des visages. C'est qui ça? Aurais-je quelque chose sur le visage? Non, mais... Je me demandais si c'était pas toi que j'attendais.
Pardon, vous m'attendiez? Oui, depuis ta naissance, j'ai toujours su qu'on se rencontrerait ici. En bobineur. Vous jurez-vous de moi? Je non, pas du tout. Alors, je vous prie de m'excuser. Attends, on s'est pas déjà rencontrés? Non, je... Ah bon. Et puis non, je vois pas pourquoi je laisserais filer une jolie fille comme... Pardon? Au fait, tu serais pas... Zidane, qu'est-ce que tu fais? Je... Allez, pardonnez-moi, et puis... Raspala, c'est la princesse. Quoi? Bah finalement, elle a pas besoin de toute l'équipe pour s'en aller. Ah, les préfets. Il efface. C'est horrible! C'est dramatique. Sa majesté ne va pas être contente. Dépêchons-nous. Ce n'est pas par là. Je sais bien. Vraiment. Mais de vrai. J'en doute. Vous n'avez pas à en douter. Pour l'instant, allons voir sa majesté. Ce n'est pas par là. Je le sais bien, putain, mais... Ah, ils sont horribles. Allez. Vous n'avez pas à en douter. Hâtons-nous d'aller voir sa majesté. Votre majesté, c'est une catastrophe. Capitaine des Brutus, elle ne veut voir personne. Revenez plus tard. Béat, est-ce urgent? Exactement. Je dirais même, c'est une urgence urgentissime. Alors je vais m'en occuper. Oh oui, s'il vous plaît. Ah, Beat, mets-toi de tes affaires. Je sais pas comment ça se prononce, Béat, vite. Je me renseigne. Alors, de quoi s'agit-il? La princesse est introuvable. C'est horrible. Je vois, attendez-moi là. Reine Vranet, je regarde la pièce, revenez plus tard. C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on ne l'a pas vue depuis un certain temps? Il semble qu'elle soit partie très vite avec le pendentif du trésor national. Mais d'où elle sait ça? Les autres, ils ont juste dit qu'ils avaient une urgence urgentissime. Elle a des infos sorties du chapeau. Comment, mais à quoi pensait-elle? Général Béat, à vos ordres. Ah oui, et puis... Donc Steiner. Très bien. 33 ans, il est droitier. Je sais pas si c'est très important. Alors. À vos ordres. Retrouvez Grenade et vite. À vos ordres. Rassemblement. Hein? Pourquoi personne ne vient? D'accord, donc les mecs à poil. Au rapport. Quoi, imbécile, vous êtes que deux? Où sont les six autres? Bah, ils sont en train de regarder la pièce de théâtre. C'est quoi se laisser aller? Moi j'aurais dit se merdier, mais... Hors de sa majesté, habillez-vous et retrouvez la princesse. D'accord. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est par là. Donc on va retourner voir ici, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est sûrement vrai. Ah oui, toujours au courant de tout. Je vous ai dit de chercher la princesse, qu'est-ce que vous faites là? Capitaine, Valma sort avec Perrine, la serveuse de la taverne. On s'en fout. Bougez-vous. Allez. Bah oui. Allez. Allez, on sauvegarde.
Voilà. Mokhtar, il y avait une lettre pour elle. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de courrier. Vous portez la lettre de coupeau à Mog. Ah non, c'est pour Mogdia. C'est pas le bon Mog. L'effectif de Brutus. Enfin, des Brutus. Ok. Ah, non, mince, il y avait un point d'exclamation là, parce que c'était. René. C'est vraiment perturbant comme nom. Ils auraient pu appeler ça queue de phénix, quoi, comme dans les autres jeux. Une personne en blanc serait passée par ici tout à l'heure. Voilà, on est sur la bonne piste. Ok, très utile. Chef cuisinier, on chôme pas ici. Ok, ah non, ok. Beaucoup de quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, sympa les cuisines. C'est là où il y a le repas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est pas très intéressant comme pièce. Et il n'y a pas de princesse. Donc j'ai l'impression que la suite c'est par là. Encore des cuisines, me décidez. Notre cuisine est la meilleure du monde. D'accord, pas de moche, ça fait rien. Peut-être que ça m'aurait soigné. Brutus numéro 9. Ah, j'ai faim. C'est tout ce que vous avez à dire, alors que moi je mange juste de mon petit frère. C'est pour ça que tout le monde se moque de nous, bougez-vous un peu. Je veux bien me taire si je peux avoir à manger, j'ai faim. C'est tout, y a rien. Ok. Alors, je peux pas passer par là. Hop. Il fait vraiment un bruit horrible avec son armure. C'est insupportable. Il y a un super portrait en tout cas. On peut aller à droite et à gauche. On va voir. Ok, super. Je vais être ton oisillon, la princesse veut que je lui apporte. Ah oui, d'accord, et lui il faut rien, quoi. Je veux quitter les Brutus. Bah, allez. Ça lui donnera peut-être une motivation supplémentaire pour chercher la princesse. Je me demande comment à Toto il était précepteur de la princesse. Et. Une hérasphère. Je sais pas ce que c'est. Alors, pièce suivante. Donc je lui apporte les livres sur les chimères, mais il y en a beaucoup. Nous n'avons pas encore vu la princesse aujourd'hui. Apparemment, elle passe quand même beaucoup de temps dans le coin. Grotte des glaces, grotte couverte de glace éternelle. Intéressant. Qui dit glace éternelle dit choses intéressantes. Alors. Si je ne retrouve pas la princesse avant la fin, sa majesté va rentrer dans une rage folle. Et Béat et ses troupes vont encore se moquer de moi. D'accord. C'est clairement. Ils se battent un petit peu là.
les différentes sections. Tu veux pas t'amuser à traîner avec moi? Je ne sais pas. D'accord, donc ça s'appelle des Amazones. Va chercher la princesse. Ça va être la prison, oui. Aussi, vous allez là-haut pour garder la forme. Il va péter un câble. Elle ne serait pas là-haut par hasard? Je ne sais pas, je pensais monter jusqu'en haut, j'ai plus de souffle, j'en peux plus. En même temps, ça veut s'échapper, pourquoi le montrer en haut d'une tour? Je veux dire, a priori, c'est sans issue. À part si elle s'en va par les airs. Mais bon, toute seule. Parce que aurait... c'est pas elle qui a prévu le coup de partir avec les autres, donc... Alors, je dois chercher la princesse. Ça... Ah ouais, d'accord. Poursuivi par un brigand, je viens à votre... Voilà. Ah non, mais là, ça commence à devenir dangereux. Ça va, elle a du cran pour une princesse quand même. Ok. Tout va bien. Ouch. D'accord. Bah c'est bien, il a fait... Il a amorti. Alors c'était pas le bon côté. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Non, y a rien. Bon. Ruby, qui êtes-vous? Un instant. Dites donc, vous. Vous m'avez bousculé, vous pourriez vous excuser. Veuillez me pardonner, je suis très pressée. Et... Ah, mais c'est que je dois bientôt entrer en scène, moi. Mince. Ah, là, là, c'est pas ça que vous voulez. Alors... Attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Cette fille est une calamité. C'est pas mal qu'on la croise. C'est ça, mais là, je dois lui parler. Stop. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, Ruby, on verra ça plus tard. D'accord, donc là, c'est la pièce du début. Au moins, elle est à bon port. Ils n'ont pas ramené comme ils voulaient. Mais... Ça y est, vous vous êtes calmé. On n'a pas vraiment suivi le plan, mais on l'aura quand même enlevé. Vous vous faites partie de cette troupe. Et voilà, elle a deviné. Peut-être le saviez-vous, mais en vérité, je suis... Grenade Alexandros, princesse d'Alexandrie. On n'avait pas deviné. J'ai une requête à vous présenter. Ne pourriez-vous pas m'enlever sans délai? Quoi? C'était pas prévu ça. Princesse, où êtes-vous? Ah, elle vient par ici. Je suppose que vous avez vos raisons. En même temps, elle est en tunique blanche, hein, c'est quand même un peu visible dans la nuit, tout ça. Voilà. Elle aurait pu choisir un autre vêtement. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout.
Merci, je vous en serai reconnaissante. Princesse, à présent, ayez l'obligeance de nous laisser vous enlever. Qu'est-ce que tu fais par ici, vite? N'aie pas peur, princesse, c'est Sina, un ami. Ah bon? Veuillez pardonner l'effronterie de ma surprise. C'est vrai qu'avec une tête pareille, elle surprend pas que vous. Super. Je me lave tous les matins, moi. Donc là, vite. C'est maintenant que t'arrives, toi. Pardon. Princesse! Alors. C'est une impasse par ici. Et hé, tu crois ça? Hop! Et voilà! C'est moi qui l'ai fait. Allez, tout le monde là-dedans, vite! D'accord, mais là, c'est quand même un peu flac, on sait qu'ils sont passés par là. Qu'est-ce que tu fais? Capitaine, je peux plus bouger, mais vraiment, je crois que... Enfin, il n'aurait pas pu se mettre dans une position plus délicate. Hé, hey, il a rien vu. C'est que vous êtes agile, princesse. Je pourrais bien tomber amoureux. Ah là 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 là. Je me suis entraînée pour fuir le château. Jusque-là, ce n'était pas trop difficile. Vous étiez vraiment pas faite pour être princesse. Nous en reparlerons plus tard, allons-nous-en. Et maintenant, que faisons-nous? On se regarde dans le blanc des yeux. Le spectacle est bientôt terminé, d'accord. Non, il n'y a rien de caché ici. Dommage. Stop! Princesse, n'ayez crainte, Steiner est venu vous sauver. N'ayez pas peur, princesse. Parfait, Brutus. Ça, c'est du travail d'équipe. Hé hé! Tout va bien, votre enlèvement se passera sans problème. Quoi? La princesse est sous notre protection. Surveillance et j'ai pas vu le dernier. Ah là là, c'est triste. Pour Steinman. Critique à 8. Ah, pique, hein. Ok, deux choix pour mettre en def. Ok. Ouf, critique à 92. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Ah. Ah là là. Le poteau rose. Je me suis fait avoir la bonne blague. Ah oui, l'autre avec ses cafards. Alors. Bon, vite, c'est le moment. Allez, on prend la fuite. C'est aujourd'hui qu'on marie ma fille Cordelia au prince Schneider. Ainsi, le prince deviendra mon vassal et le royaume de Satoun sera. Ha ha ha!
Nous avons arrêté ce suspect. Oh, mais qui voilà, ne serait-ce pas Marcus? Serais-tu donc toujours amoureux de Cordelia? Bah, quand bien même Cordelia sera-t-elle toujours amoureuse de moi, elle n'épousera jamais quelqu'un de ton espèce. Quand les cloches auront sonné par 3 fois, je te ferai disparaître à jamais. C'est un peu radical quand même, la façon de se débarrasser des autres prétendants. Nous ne pouvons aller plus loin, qu'allons-nous faire? C'est ennuyeux. Allez. Zidane prend la numéro 2. Compris, princesse, par ici. Ça se passera pas comme ça. Mais il est encore là, lui. Ah oui, on va se battre sur scène. Encore un coup. Faites comme si rien n'était. Tiens, je suis là. C'était pas prévu au programme, mais bon. Hein. C'est Marcus, votre amant. Marcus, c'est ça, impeccable. J'ai toujours aimé le théâtre. Aïe, aïe, aïe. Continue à jouer, la reine Branette nous regarde. Marcus, je désespérais de te revoir. Je ne veux plus te quitter, emmène-moi où bon te semblera. Roilière, acceptez leur amour. Jamais. Ah, tu ne veux plus le quitter? Jamais je ne t'y autoriserai. Ah là 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 là. Cordelia, tu épouseras le prince Schneider. N'est-ce pas, prince? Il vient d'aller débarquer, c'est pas dans quoi il est. Quoi, moi et la princesse? Tu es les tous. Ils sont trop forts, fuyons. Cordelia, rentre avec moi au château. Jamais, je ne veux pas. Cordelia, cela suffit, ne me contrarie pas. Si je veux ce mariage, c'est pour toi, comprends-le. Évidemment. Je ne te laisserai pas faire, Léa. Revoilà le temps des impôts en mémoire de mes parents et pour Cordelia. Tu vas goûter à ma lame. Ah ! Pourquoi ? Marcus, pardonne-moi, mais cet homme est toujours mon père. Cordelia, princesse ! Pardonnez mon égoïsme et pardonnez à Marcus. Voilà. Et elle meurt dans d'atroces souffrances. Super. C'est impossible. Je n'entendrai donc plus la voix de Cornelia. Bah si. Sur cassette. Je ne caresserai plus sa peau si douce. Mais tu viens de la croiser il y a 2 secondes. Ma vie n'a plus aucun sens. Oh là 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 là. Ah oui, carrément. Ah, ben au moins elle est subjuguée, c'est déjà ça. Où est Grenat? Ah, il est temps de s'en occuper. Hein. Ah, ils sont là eux aussi. Allez, il faut encore rentrer par les toits. Oh zut, on s'en va. Vous là-bas. Ah, oh non. Imbécile, dépêche-toi. Pardonne à ton père. Princesse! Pardon. Il y a vraiment... C'est le bordel, hein, cette scène. Hein. Venez pas. Ah ouais, carrément. Bah, au moins comme ça... C'est l'heure, les Tantalas se retirent. Princesse, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Seigneur, cela suffit. Arrêtez de me suivre. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup... C'est impossible, je ne peux pas. Ce que vous pouvez être obstiné parfois. Laissez tomber, on s'en va.
Ça va, t'as rien? Oh, Bibi. Ça va, je suis juste un peu assommée. Ah, arrêtez la princesse. Ah, super. Combat maintenant. Alors, on va voir qui. Ok, Yorana. Invoquer. Ok. Magie noire est pour de vrai? Ouais, c'est pour de vrai, hein. Je vais être en retard. Oh non, mais les mecs, quoi. Brésil, ça fait combien? 108, hein? Ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Tout ça pour ça. Paré au décollage. Bien. Paré de notre côté aussi. Très nickel. En avant. Donc là, très discret. Très discret le moyen de s'échapper avec la princesse. Bon. Ça se fait pas sans dégâts quand même, hein. Ah. Bon, j'ai toujours illusion, j'ai toujours pas le vol, c'est dommage. Peut-être attaquer le truc en haut en fait. Ah non, mais j'ai pas accès. Je prends magie blanche que soin, d'accord. Qui va devenir énorme. J'ai toujours pas de dispo dans les barres d'ennemis, donc c'est un peu ça. Ah, bah voilà, c'est fini en apothéose. Ah, ça résiste bien quand même, hein.
On va s'écraser. Je crois que c'était pas évident. Franchement. Ah là là. Cette gamine va dire que je la voyais encore comme une gamine, je ne l'imaginais pas aussi téméraire. Pile, face. Ils sont encore opérationnels? Bien sûr, ils sont au mieux de leur performance. Faut-il tuer la princesse Grenat? Qui parle de la tuer? Il faut la ramener vivante. Bah voilà. Il ne reste décidément plus grand-chose hein, de ce bateau. Aïe aïe aïe! Ça va, Sina? T'as rien? Moi, ça va, mais le Prima Vista, c'est autre chose. Il a fallu qu'on s'écrase juste quand ça devient intéressant. Jusqu'à maintenant, personne n'est sorti vivant n'est sorti d'ici vivant. Ah. Chef, ça brûle en bas, ça flambe de tous les côtés, on s'en sort pas. J'ai pas le temps de m'occuper des broutilles par hier, réfléchissez 2 minutes et éteignez-moi ça. Et n'oublie pas d'évacuer les blessés. À vos ordres. Si jamais ça brûle, on pourra plus sortir d'ici. On récupère toutes les affaires. Ah, il y a un mog. On trouve pas la princesse. Ah, si ça se trouve, elle est passée sous le vaisseau, je te dis. Perdre une princesse qu'on vient d'enlever, c'est un coup à se faire prendre. Putain. Zidane, je savais bien que t'étais vivant. Quelle idée aussi de sauter dans l'aérothéâtre en plein vol. J'ai été éjectée, les autres, ça va? T'en fais pas pour nous, on a l'habitude des coups durs. Le seul problème pour le moment, c'est qu'on ne trouve pas la princesse. L'icône ATE ta perruque Kubo. Active Time Event est le nom d'un système qui permet de voir ce qui se passe ailleurs au même moment que Kubo. Quand l'icône apparaît en bas à gauche de l'écran, il suffit d'appuyer sur le moins Kubo. À partir du moment où l'icône ATE apparaît, vous pouvez appuyer sur moins n'importe où et n'importe quand. Appuyez sur moins. Et là, je choisis une scène. Ok. Allez. Ça n'a pas l'air très très réjouissant quand même de notre côté. Bon. Alors. Allez, on sauvegarde. Ok, donc moi je peux pas rentrer dans le vaisseau. Vous pourriez piloter plus lentement. Qu'est-ce que je fais de mes cymbales sans lui? Ok, bon, allez. Forêt maudite. Voilà, au moins ça donne un peu l'idée de l'ambiance. Non, je peux rien faire là, vraiment. Ok. Ah.
Bibi, c'est horrible. C'est quoi ce truc? Relâchez la princesse. Je pense pas qu'ils comprennent. Bon, bah allez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Ok. Non, nous expliquer. Faut libérer ses sentiments et on va régler ça en 10 secondes. Non, moi j'aimerais le voler. Vampire. Space cream. J'arrive. Bon, ça va, il fait pas trop mal. Ah ouais, ça m'a utilisé la transe pour voler. Ok. Ok, donc là je reviens normal. Ah ok, d'accord. Bon, t'as combien de PV? Dommage que j'ai pas de scan, genre de truc, parce que... Est-ce que... Tête en voleur? Je sais pas ce que c'est, malandrin. Objet, potion... Grenade. Ah d'accord, c'est pour la fuite. Ah, enfin. Pfiouf, c'est long.
Lui, il aurait été intéressant. Après, il aurait peut-être cramé Grenat, en fait, avec Brésil. Ah non, mais ils sont barrés tous les deux. D'accord, c'est nul. Il l'a emmené. J'avais trop peur d'utiliser ma magie, maintenant elle va se faire manger. Ah, d'accord. C'est trop tôt pour renoncer, c'est un serviteur du maître de la forêt. Il a dû l'emmener dans le repaire de son maître au fond de la forêt. Alors, dépêchons-nous. Allez, suivant. Putain. Aïe, aïe, aïe. Bon, au secours. On dirait que la magie fonctionne. Ok, 43 sur 67. Ouais, en plus il fait briser à chaque fois, ça va être cool. Ça devrait aller un peu plus vite qu'avec Grenoble, vu que Bibi utilise Brésil. Et au prochain coup, voilà, je vais le soigner. Ah. Non, je vais attendre un peu pour soigner encore Steiner. Ah, commence à galérer. Voilà, très bien. Très bien. Ah, ma première réelle victoire. Les autres fois, c'était du fake. J'ai eu peur. Ça va, t'as rien? Ça va. Tant mieux. Attention, ouch. Ah, d'accord. Ah non. Ah, bon, bah, elles sont fait empoisonner par des relents toxiques. De la bête. T'as été empoisonné et t'as été ensemencé. Si les bourgeons sortent, ils te transforment en fruit sec. Je vais mourir. Désolée de t'avoir fait peur, ce truc-là va tuer toutes tes graines. T'as pas de soucis à te faire. Ça a l'air d'être de la dépression. Entre là, je te dis. Ah. La princesse a peut-être été dévorée par un monstre à l'heure qu'il est. Et voulait que j'abandonne. Tira nulle part dans cet état, je te dis. T'inquiète pas pour la princesse. Le chef s'occupe de tout. Bon. Ah là 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 là. Même cet antidote est suspect. Ah, c'est la poupée. Bah, au moins, il a déjà vu l'antidote, c'est déjà ça. Hors de question, t'as bien vu que le bateau est entouré de monstres en tout genre. Et alors, c'est pas un problème si on y va tous ensemble. Et les blessés, qu'est-ce qu'on en fait? On les emmène avec nous. Et comme ils ne peuvent pas bouger en cas d'attaque, ils se font tuer. La princesse a son importance, mais les compagnons passent à tout. Bon sang.
Les Tantalas ne bougeront pas d'ici tant que les BSC ne seront pas gagnés. Toute initiative individuelle est interdite. Ah ben, ça pique. On abandonne une femme comme ça sans rien faire. Oui, non. Ce serait une femme, un homme, n'importe. Quand même. Ah là là. Alors, ah, un coffre. Je vais le louper. Par coup. Alors, j'ai quand même des objets là. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Ok, donc j'ai l'impression voilà, que les compétences sont liées à l'objet. Ok, objet. Là, il y a bien ça, c'est pour se terminer. Ok. J'ai rien que je peux équiper sur le système. Donc, on va descendre faire ce qu'il y a ici. Poignée. C'est toujours pas pour moi, je pense. Hein. Là, quoi que. Équipement. Tac. Non, hein. Ah. Ah non, c'est pour là, les poignées. Donc, il y a un autre poignet équivalent. Donc, j'en ai pas besoin sur lui. Alors. Ok. Il veut te remercier. Merci de m'avoir sauvé la vie. Si t'avais pas été là avec ta magie, on s'en serait jamais sorti. Ça aurait été surtout très très long. Mais surtout, il serait pas fait capturer s'il aurait pas été là, en fait. T'es pas bien grand pour te servir de la magie noire. Ah. T'aimes pas qu'on dise que t'es petit. Ah là là. Tu sais te servir d'une super magie, il faut que t'aies plus confiance en toi. La valeur d'un homme se voit pas, ça dépend de ses rêves et de son cœur. Mais à cause de moi, elle t'inquiète pas, fais confiance à Jidan. Tu vas la sauver, hein, monsieur Jidan. Oula, pas de monsieur avec moi. D'accord, Jidan. Okay. Bon, alors, est-ce qu'il y a des choses à piquer, là, dans le coffre? FF9. Faut vraiment que je me chope un ému dans le... Ouais, c'est... Des souvenirs. On va dire ça comme ça. Alors là, il y a quoi? Ah, je peux monter sur le lit. Allez, il y a un truc à voler. Là, j'ai fait un point d'exclamation. C'est juste pour descendre. Ah non, il y a un truc. Salut, One Way. Bienvenue. Bon. De toute façon, ils ont dit qu'il fallait récupérer tout ce qu'il y a sur le vaisseau parce que comme il est en flamme, donc je n'ai aucun scrupule à tout récupérer. Ah donc là il me lance la cinématique alors que je l'ai pas demandé. Ah ça y est, le coup de foudre. PlayStation 1, Final Fantasy 9. Et le 10, c'était PlayStation 2. Si je ne fais pas de bêtises, le 6, 7, 8, 9, c'est PS1. Qu'est-ce que je fais pour la princesse? Je vais la sauver, non, mais... franchement... Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher la princesse avec le vieux. Tu connais pas le maître de la forêt à ce que je vois. Non, mais on s'en fout. Et en plus, le chef te laissera pas faire. Non, mais il ne le saura pas.
pas en parler au chef tout de suite. On va activer. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Ah, pas tellement en fait. Ah. Qu'est-ce que c'est? Princesse Gruna, 15 ans. Ah oui. Il a osé écrire le nom de la princesse et on coupait aussi l'aide. Et puis la princesse a 16 ans. Ouais, c'est vrai qu'il y a un an d'écart. De toute façon, elle est horrible cette princesse. Alors bon, il y avait une autre scène. Hop, ils m'ont laissé. Ça, c'est le grenaf. Ah non! Oula! Où ils sont passés? Ben, ils t'ont échangé contre une princesse. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Allez, il y en avait encore un. Mon trésor. Elle est peut-être... Ah! Oh non! Je la trouve pas. Ah oui! Ma poupée grenaille, elle est... Ah mais en fait... Oh là là. Je peux pas dormir sans ça. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Bon, si ça se trouve, quand le vaisseau brûlait, ben... Bon, bah allez, on va voir le chef. On va en parler au chef. Est-ce que c'est par là? Non, il n'y a rien à piquer, c'est... Non, mais j'ai pas tout visité dans l'autre pièce. C'était... Voilà, genre ça. C'est quoi, ça? Gomme armée. Ça va être un casque. Non, je ne peux rien... ici peut-être. Ouais, c'est là où il y a le chef. Okay. Qui est en train d'attraper froid. Alors, je t'attendais. Je commençais à me demander si t'allais venir. Tu vas la chercher, c'est bien ça. Bah. Je promis de l'enlever pour de bon. Ouais. Je te demande pas pourquoi. C'est une belle fille, tu pouvais pas lui résister. Non, mais tout de suite, quoi. Bon. Non, mais c'est le coup de foudre. Ouais. Tu n'auras pas de traitement de faveur, je sais. T'as l'air décidé, c'est bien, viens dans la cale. Bon. Alors. Voilà. Non, y'a rien d'autre. Oui, si je te suis allé. Allez, on y va. Bon. Est-ce que je vais me faire laminer? Je me souviens. Allez. Arrête de me chatouiller. Bon, on va prendre une potion, hein. Ça a coûté cher, tout ça, hein. Bon.
Clément qu'on récupère Grenat pour la magie blanche. Chargé. Ok. Bah t'as qu'à venir avec moi. Ah oui d'accord. Allez. Putain. Je commence un petit peu à galérer. 51 HP, je vais pas prendre de potions tout de suite, je vais attendre un petit peu. J'espère que je finirai avant. Avant de devoir en mettre une. Ah bah voilà. C'était facile, Bino. C'est costaud, tu m'as vraiment fait mal. En même temps, il est tombé 3-4 fois sur le sol. Quand vous dites que vous ne me ferez pas de cadeau, m'en faites pas jusqu'au bout. Toujours pas. Ouais. Si je mets auto. D'accord. C'est pas déjà ce que j'ai, ça? Allez, un remède, si vous êtes prêts. Si t'es plus un Tantalas, tu dois me donner de l'argent, c'est le règlement. T'as besoin de quelque chose. Ah d'accord. Okay. Bah ouais, on va prendre un peu de potion là parce que... Bon René, c'est bon. Antidote, les plantes avaient l'air d'empoisonner, alors hein, dans le doute. Et j'ai une tente, on va dire que ça suffit. Et je vais sauvegarder. Alors, je crois que j'avais pris les 3 places. Ah oui, attends, il y en a combien? 15 blocs, comme le bon vieux temps. Allez, on va chercher ma bien-aimée. Alors, sperme. Non, sperme. Non plus. Ah. Non, mais moi j'étais bien, hein, toute seule, à l'aventure. Alors. Okay. Alors, le vieux. Tu sais que c'est plus de ton âge. Qu'est-ce que tu dis, Gourion? Je m'inquiète pour la princesse, moi. Rien ne serait arrivé si vous ne l'aviez pas enlevée. Ça aurait pu être pire, en fait. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous le verrez très cher. T'inquiète pas. Je vais aller la chercher. Et je voudrais que tu viennes avec moi. Si tu me promets d'être sage, je t'emmène. Ça te va? Genre comme si c'était son toutou, quoi. C'est encore une de vos ruses de voleur. Qu'est-ce que vous avez encore prévu? Ça n'a rien à voir avec le Tantalas. Allez, on y va. D'ailleurs, initialement, c'est pas pourquoi ils l'ont kidnappé. Hein. Donc c'est bizarre qu'ils le laissent faire et qu'il n'y aurait plus aucun lien, à mon avis. Mais... Si jamais tu m'as menti, je te rectoute. Ça marche, on fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne. C'est bon, j'ai compris. Allez, allez, allez. On y va.
Sa magie s'est avérée assez efficace sur ce monstre. Ok, oui, bah on va le prendre. Non, mais je veux le coffre là. Non, on retombe dans la pièce. Voilà. Éther, très bien. Non, y a rien d'autre. On va aller chercher Bibi et après je vais faire un tour dans les équipements là. Alors. Si je fais des tis, c'était là. Désolée, t'avais fait attendre, on part sauver la princesse. Faites attention. Non, mais tu viens avec nous. Genre, je suis sûre que je pourrais pas vous aider. Oh. Allez, si, viens. En fait, c'est le plus fort de tous, mais il n'ose pas. On va chercher Grenin. D'accord. J'essaierai de ne pas vous gêner. Nous faisons confiance. Nous vous faisons confiance, monsieur Bibi. C'est très long. Monsieur Bibi. Vu que vous patriquiez la magie noire, j'ai pensé que peut-être... Ok. Une épée magique. D'accord, je vais essayer. Alors, équipement. Si je mets en auto. Ok. Ok. Et là. Soustraction. Je sais pas ce que ça fait. On n'a pas d'infos sur les compétences ici. Alors, peut-être là. Ah oui, ice cream. Alors. Peut-être prendre la flamme berge. Parce que si... flamme ou une épée de feu, peut-être, ou je me fais des idées. On va laisser la flamme berge. D'ailleurs, j'ai tous mes points de vie. Non, il n'y a pas moyen de se soigner ici. Ça va être le chocobo dehors avec une tente. Je vais être obligé d'utiliser une tente. Ou peut-être, je sais pas, je vais essayer, je vais vérifier. Il y a des lits ben là où était Bibi, alors peut-être que je peux me soigner. Peut-être que je suis naïve. Non. Ah. Et voilà, 800 giles économisés. C'est pas rien, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Allez. Maintenant, on y va. Ah, carrément. Ça te gêne que je m'entende bien avec elle, c'est ça. N'importe quoi, je m'en fiche. Ah, voilà, il est jaloux. Tiens, prends ça. J'ai pas besoin de tes filles, j'ai suffisamment de succès avec ça. C'est pas ce que tu crois. C'est pour les graines qu'ont avalé les deux autres. Fallait dire plus tôt. Donc, le sérum, quoi. Tu laisses jamais les gens finir leur phrase. Soin de fou. Il y a encore ça de la part du chef. Tu te souviens que tu peux changer certaines de tes compétences. Même si tu n'es plus un tantalas, continue de t'entraîner. Si tu utilises bien tes compétences, tu seras encore plus fort. Fais attention à tout. Comment je fais pour modifier mes compétences? Alors, depuis le menu, tu vas dans Comp, puis dans Activer et tu choisis celle que tu veux. Merci Franck. Je ne sais pas ce que je ferais sans... Bon, eh bien, on va voir. Alors, compétence. D'accord. Ah,
Donc, galanterie. Je pense qu'on va voir avec le temps. J'ai une petite idée de comment ça fonctionne. Oui, d'accord, tout comme ça en fait. Pas de compétences sur Bibi. Ok, et si je mets activé, non, ça sert à rien. Ok, non, je sais pas. Il n'y a pas de compétences sur Bibi. Faites normal. Alors, bah on va sauvegarder. Voilà. On sauvegarde, bah oui. Allez. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, bah, la prochaine fois, on ira sauver la princesse. Donc ce sera quand même un petit peu plus dynamique. Je pense qu'on aura un peu plus de combat. Donc ça sera cool. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment à très bientôt pour la suite de Final Fantasy IX. Et bah, j'ai pu aussi avancer sur Pokémon Snap, donc je ferai aussi un prochain stream sur la suite de Pokémon Snap. Voilà. Donc bah, je vous dis tous à bientôt et je vous fais des bisous. Voilà. Oui, bisous, ouais.